Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter, donc comme vous avez vu dans le titre, la box de luxe de la boutique Lanoop Planner. Donc cette box de luxe, elle donc arrive dans un petit carton comme ceci, comme vous voyez, et plus dans une enveloppe. On a toujours un joli petit sticker dessus. Voilà, je la retourne parce que en fait, c'est ici l'avant. Et donc quand on l'ouvre, voici comment elle se présente. Alors je l'ai déjà ouvert, hein, je ne vous cache pas, je l'ai déjà ouvert quand même pour regarder un petit peu ce qu'elle contenait. Et puis donc ensuite, donc, comme vous voyez, c'est emballé dans du papier de soie. Et comme vous allez voir, elle est bien remplie. Voilà. Alors je pense que le plus simple, c'est de tout sortir. Ce sera plus facile pour tout vous présenter. Alors tout d'abord, donc, comme dans les box classiques, vous avez une petite pochette comme ceci, donc, qui est différente chaque mois. Donc vous avez la représentation d'un des thèmes des kits du mois. La différence, je crois que dans la box classique, vous n'avez pas de petit trombone. Donc elle a ajouté un petit trombone. Et puis sinon, donc, à l'intérieur, on a toujours donc le petit bonbon et puis les différentes cartes donc avec les réseaux sociaux. Donc, vous avez la boutique, vous avez Facebook, vous avez le Instagram et puis donc les contacter en cas de souci. Et puis également donc la plateforme Discord, donc la communauté Discord sur laquelle on peut retrouver pas mal de personnes donc, qui sont addicts à ces produits chez Lanoop. Et puis un petit code de réduction. On a également donc, une petite planche cadeau comme ceci. Donc là pour le mois de septembre, avec ses fleurs, elle est vraiment magnifique. Et puis vous avez toujours donc, ici le petit sticker que vous pouvez mettre sur votre carte de fidélité. Et une fois qu'elle est pleine, vous envoyez une photo, si je ne me trompe pas, de la carte de fidélité, à Lisa, et puis vous avez droit à un petit cadeau. Voilà. Et puis une petite carte comme ceci, qui explique donc que c'est une boutique familiale et artisanale. Ensuite, donc, on retrouve, comme dans la box classique, les 4 kits pour le mois. Donc ce mois, je vous les présenterai ensuite en détail, hein, mais ce mois, on a donc Marguerite et le Martien, on a La Princesse et la Grenouille, on a École d'autrefois et on a Échec et Mat. Voilà. Avec donc les die-cut assortis, donc les 4 petits packs de die-cut assortis. Et ici, tout ceci, donc, c'est ce qui est en plus dans la box de luxe. Alors, tout d'abord, vous allez avoir un petit calendrier. Je vais sortir tout ça du petit sachet. Voilà, donc, tout d'abord, on a un petit calendrier comme ceci. Donc, toujours, bien sûr, avec l'un des thèmes des kits du mois. Ici pour septembre, le petit martien. Ensuite, vous allez avoir un die cut géant. Donc, ça peut vous servir soit de carte pour écrire derrière, soit de petit intercalaire pour un planeur. Vous pouvez également vous en servir en marque-page ou pour un projet de scrapbooking. Enfin, voilà. Même aussi grands, ils peuvent être utilisés de bien des manières différentes. Ensuite, vous allez avoir un autre petit sachet avec donc, tout d'abord 4 planches de stickers décoratifs donc, pour chaque thème du mois. Donc ici, Échec et Mat, ici le petit martien, École d'autrefois et La Princesse et la Grenouille. Et puis également 4 grands stickers. Toujours bien sûr avec sur les thèmes du mois. Donc ici la pièce d'échec, le petit martien
la maîtresse d'école et la princesse. Voilà. Et puis, vous avez également un vinyle, ici, avec des étoiles. Donc, bien sûr, ça va rappeler le kit de Marguerite et de Martien dans les étoiles. Ensuite, vous allez avoir deux accessoires, donc pour customiser vos planeurs ou autres. Le mois passé, je crois qu'il y avait une pochette. Donc, ce mois, vous avez un trombone décoré. Je vais vous le sortir. Voilà. Vraiment, il est splendide. Le détail trop chou. Voilà. Donc, dans un très très joli packaging. Un très très... Donc, un magnifique trombone décoré. Comme ceci. Donc ça, vraiment, je le trouve magnifique. Il est très beau. Il n'est pas trop grand. Il est juste parfait. Et puis donc, pour ce mois, le deuxième accessoire, ce sont des inserts pour les Happy Planners. Donc, selon la taille, selon ce que vous commandez, en fait, comme taille pour vos kits, c'est-à-dire Happy Planner classique ou Big Happy Planner, ou encore, vous pouvez commander pour les TN classiques ou pour les planners à anneaux en format A5. Vous avez plusieurs formats qui sont disponibles. Donc, vous aurez les inserts qui sont en rapport avec le format que vous avez choisi. Donc, moi, j'ai un Happy Planner classique. Donc, elle m'a mis des inserts pour le bon format. Voilà. Ils sont magnifiques. Donc, avec des petits pois recto verso. Voilà. Vous allez retrouver ensuite 4 feuilles d'acétate. Je vais les sortir. Voilà, donc les acétates, ce sont comme ça des feuilles transparentes qui sont très flexibles. J'aime beaucoup cette matière. Voilà, donc vous pouvez les découper, vous pouvez en faire bien sûr des intercalaires, vous pouvez en faire des couvertures pour un album par exemple. Voilà, donc le premier est sur le thème donc de échec et mat. Celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, sur le thème donc, de l'école d'autrefois. Ça, je sais d'ailleurs déjà ce que je vais en faire. J'ai déjà mon idée sur ce que je vais en faire. Ensuite, on a celui-là, donc avec Marguerite et le Martien. Et puis, bien sûr, donc la princesse et la grenouille, toujours donc en transparent. Et pour terminer, donc vous allez avoir 4 feuilles. Donc voilà pour la princesse et la grenouille. Pour Marguerite et le Martien. Pour les petites pièces d'échecs. Et celle-ci magnifique, donc pour l'école d'autrefois. Je disais justement à Lisa que moi qui ne suis pas du tout addict du vintage, je trouve ce thème-là absolument magnifique. Franchement, j'adore. Et puis donc pour terminer, je vais vous présenter en détail donc les 4 kits. Alors, je commence par celui-ci. Donc ça, c'est le kit échec et mat. Avec ces petites pièces d'échec absolument magnifiques, adorables. Le petit cavalier, là, je trouve trop mignon. Voilà, donc ici vous avez bien sûr les grandes box, une double box, mais comme toujours, donc vous pouvez la séparer. Vous avez quand même 2 stickers, vous pouvez choisir de les mettre séparément ou ensemble. Ensuite, on a ici donc, les grandes box et les demi-box. Ici, donc les listes à puces, les washi pour le bas, donc le bas de votre page. Et puis ici, donc, les jours de la semaine, aujourd'hui, affaires importantes, et les petits cartes de box. Voilà donc pour le premier kit. Pour ce qui est des die cuts, donc vous allez avoir toutes les petites pièces d'échecs en rose et en bleu. Le fou,
le roi et la dame, le petit cavalier et la tour. Et le petit pion, bien sûr. Voilà. Voilà. Je passe ensuite au kit donc, de la princesse et la grenouille. Donc, toujours l'univers Disney. Ici, celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. La petite grenouille, là. Voilà, la falaise avec toutes les fleurs. Et puis, donc, les jours de la semaine. Voilà pour ce kit. Et donc, les die-cuts, on a le petit crocodile, le prince, la princesse, comme ceci, et bien sûr la petite grenouille. Je passe maintenant donc au kit école d'autrefois, comme ceci. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas du tout une fan du vintage, mais là, eh bien, c'est mon second favori de ce mois. Cette maîtresse d'école, là, je pense que ça nous rappellera à tous des bons souvenirs, enfin surtout peut-être ceux de ma génération en tout cas, peut-être celle d'avant également, avec la photo de classe, le tableau noir, voilà, le petit élève qui déteste être interrogé, la marelle, et puis ici vous avez du foil comme ceci, donc avec la règle, les ciseaux, la gomme, les crayons, etc. Et puis également ici, donc vous retrouvez aussi du foil ici sur les jours de la semaine et puis également sur la petite box ici. Voilà. Donc vraiment splendide ce kit. Et donc les die cuts, on a bien sûr la maîtresse d'école, les petits copains de classe, celui avec les lunettes et les deux petites filles. Et puis le dernier thème qui, vous devez vous le douter, est mon favori, non seulement pour les couleurs, mais également pour voilà, cette petite marguerite là. Là, je la trouve tellement mignonne et voilà, c'est tellement improbable d'avoir un martien qui kidnappe une petite vache dans un pré. En attendant, elle est donc dans l'espace. Voilà, donc ça c'est lorsqu'elle se fait kidnapper. On voit toutes les planètes, les étoiles. Cet assortiment de couleurs, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis ici, donc, dans ces tons pastels, avec toutes ces petites étoiles. Voilà pour ce kit absolument adorable. Et pour ce qui est des die cuts, donc, on retrouve ici les petites étoiles. Le martien dans sa soucoupe. Marguerite, bien sûr. Et le petit martien hors de sa soucoupe. Voilà, donc c'en est terminé pour la box de luxe. Donc comme vous voyez, elle est quand même vraiment très très bien remplie. Et puis comme je vous le disais, donc vous pouvez l'obtenir dans plusieurs formats. Et puis parallèlement à cette box, j'avais commandé encore 2-3 petites choses à Lisa, donc que je vais vous montrer ici. Donc ça fait partie des nouveautés. Donc vous avez une petite planche ici, maman pour moi. Elle m'a fait une planche ici en foil rose fébricoleuse. Voilà, pour mettre sur mes petites créations. On a ici des listes à puces. Donc vous en avez avec pour 5 puces. Ici, donc vous en avez des qui sont individuelles. Il y en a ici pour 4 petites puces et ici pour 2. Donc j'ai choisi ici du doré, mais vous avez également d'autres couleurs disponibles sur la boutique. Ici, une planche de nouveau en foil maman en famille. Ici, donc toujours en foil pour les mois de l'année. Ici, de nouveau en foil doré, donc travail. Et puis ça, donc ça fait pas partie des nouveautés, mais j'en ai recommandé parce qu'évidemment j'en fais quand même une grosse consommation, donc ce sont ces petits laptops avec l'inscription YouTube.
Ensuite, on a ce kit, donc c'est un kit d'ambiance, comme ils disent, donc c'est quelque chose qui est plus neutre, sur lequel vous pouvez ajouter en fait les décorations que vous souhaitez. Donc, ici, on a une couleur arc-en-ciel. Vous retrouvez les washi pour les bas de page, et puis différentes box et listes à puces. Voilà, donc deux pages comme ceci. Un second kit ambiance qui je trouvais vraiment très très réussi également. Donc très fleuri dans ses tons rose et vert, avec toujours le washi avec les petits nœuds. Ça, c'est toujours pour le format classique Happy Planner. Et puis la seconde page comme ceci, avec deux grandes box. Donc c'est des doubles box en fait. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en fait ici vous avez des petites lignes blanches et ici vous avez des tout petits carreaux. Gris que vous retrouvez ici. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce kit également. Et puis pour terminer, donc je lui ai commandé ce kit mensuel, donc qui est également une nouveauté. Comme vous voyez, donc dans ces tons vert d'eau avec du foil doré. Il est vraiment magnifique ce kit. Voilà, donc avec toujours les jours, donc sachant que dans les Happy Planner, donc la semaine, donc pour la vue mensuelle, la semaine commence le dimanche pour se terminer le samedi. Alors moi, ce que je fais, parce que je préfère avoir mes semaines qui commencent du lundi, enfin qui commencent le lundi pour terminer le dimanche. Donc en fait, je viens découper ici et ici, et puis donc bah, je colle, et puis donc je colle dans l'ordre que je souhaite. Et comme de toute façon, vous avez également les stickers pour recouvrir donc les dates sur chaque jour. En fait, voilà, donc ça ne se voit absolument pas. Donc on a d'abord cette planche-ci. Ensuite ici, donc avec les petites cases. Donc ici, donc au format Happy Planner classique. Donc ça, je le répète, c'est pour la vue mensuelle. Des box pour les rendez-vous. Et puis ici, donc des petites box pour les factures, des listes à puces. Et puis ici, les stickers donc pour chaque jour du mois. Et puis la dernière planche, donc avec tous les mois disponibles. Donc ce qui est bien, c'est que ce sont des kits que vous pouvez, autant les kits hebdomadaires que mensuels, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Il n'y a pas de date dessus, enfin, il n'y a pas de date fixe. Donc celui-ci, vous pouvez vous en servir. Autant maintenant au mois de septembre qu'au mois d'avril, enfin, quand vous voulez. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation donc de cette box de luxe de chez Lanvin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Moi, en tout cas, je vais de ce pas décorer ma semaine avec l'un de ces kits. Et puis, bah, en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Ciao!